Bonjour, voici comment ajouter du nouveau contenu H5P dans votre cours Moodle. Tout d'abord, accédez à votre plateforme Moodle, puis au cours dans lequel vous voulez ajouter du contenu interactif. Pour pouvoir créer une nouvelle activité H5P, accédez à la banque de contenu, c'est le pinceau ici tout en haut. Quand on accède à la banque de contenu, on voit l'ensemble s'il y a lieu déjà des activités qui sont présentes dans notre cours. En cliquant sur « Ajouter », on voit la liste de toutes les activités interactives H5P. On n'a qu'à en choisir une, par exemple « Fill in the blanks », compléter les blancs. Et on voit ici l'interface H5P s'afficher. On n'aura qu'à compléter les différents champs qu'on verra dans la formation un petit peu plus tard. Et ne pas oublier de cliquer sur « Enregistrer » pour que votre activité se retrouve dans votre liste de banque de contenu. C'est ici que nous viendrons le chercher plus tard pour pouvoir l'insérer à l'endroit approprié dans notre cours Moodle.